Salut les gens, c'est Kulo Kalasu et on se retrouve pour ce troisième numéro de À quoi on joue. Donc aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on est dédié à Yu-Gi-Oh! Alors pourquoi j'ai pas commencé par là? Tout simplement parce que je suis pas à jour sur ce jeu et que ça fait belle lurette que j'y ai pas touché. Pour être franc, ça doit bien faire 2-3 ans que j'y ai pas touché. Donc au niveau des cartes, comme vous le devez savoir, si vous avez déjà joué à un jeu de cartes tel que Yu-Gi-Oh!, il y a plusieurs types. On a les cartes monstres, les cartes magie et les cartes pièges. Donc après, au niveau des types de monstres, il y en a de plusieurs sortes, hein. On va commencer par les plus basiques. Donc les monstres normaux, on les reconnaît à leur couleur un peu jaunâtre de monstres. En ceux-là, ils n'ont vraiment aucun effet, c'est les monstres basiques. Voilà. Bon, pour l'exemple, c'est un Dexy Samurai que j'ai retrouvé qui traînait. Donc il n'est pas forcément très bon, mais voilà. Ensuite, vous avez donc les monstres à effet. Donc ceux-là, ils ont une couleur, un cadre marron. Qu'est-ce que je peux vous dire, que mis à part, ben, ils ont un effet, hein, y a pas grand-chose d'autre. L'effet peut être activé quand on les appelle, ou bien quand on les retourne, donc quand ils sont flip et qu'on les retourne. Voilà. Ça, c'est pour les monstres qu'on va avoir dans le deck. Il y a également des monstres qui sont pas dans le deck mais qui sont dans la zone d'extra deck, on verra tout à l'heure donc quand on fera un petit zoom sur le terrain. Donc il y a tout d'abord les j'ai oublié les monstres rituels qui sont également dans le deck, donc ceux-là ils ont un contour bleu. Je les avais complètement oubliés parce que du fait que j'en ai jamais trop joué et que c'est pas forcément quelque chose qui m'intéressait à l'époque. Malgré qu'il paraît que les monstres Gishki, il me semble c'était l'archétype Gishki qui avait des bons monstres rituels. Donc ensuite, dans la zone d'extra deck, on a les monstres fusion. Donc ceux-là, ils ont un cadre violet. Dans mon deck, j'en ai pas, je suis désolé. Hein, parce que forcément, il n'y avait pas, à ma connaissance, de monstres fusion 6 samouraï, ou alors qu'il n'était pas très bon, mais normalement, il n'y en a pas. Ensuite, sont arrivés avec la version Yu-Gi-Oh! 5D. Les monstres synchro, donc vous savez, les duels sur les motos, nanana. Donc, c'est des monstres qui sont invoqués par syntonisation. Donc, c'est un monstre d'un type particulier ou d'un élément particulier ou pas d'ailleurs, plus un monstre qui va avoir écrit syntoniseur ici. Je dois pas en avoir dans le deck, mais j'en ai retrouvé un. Donc, par exemple, les monstres synchro, c'est ceux qui vont avoir un contour blanc-gris. Voilà. Ensuite sont arrivés avec Yu-Gi-Oh! Zexal les monstres dits XY, YZ, donc ou XYs, qui sont invoqués notamment si vous avez deux monstres d'un même niveau. Je reviendrai sur ces histoires de niveau juste après. Comme ils ont un contour noir, donc voilà, par exemple l'XY 6 samouraï qui était dans le deck de structure. Le seigneur de guerre samouraï, dont le tapis est derrière. Voilà, donc c'est un contour noir, vous avez le nom. Contrairement aux autres cartes, vous avez les niveaux ici. Ben, ici, vous avez ce qu'on appelle un rang. Les niveaux étant marqués par des étoiles jaunes dans des cercles orange, les niveaux sont des étoiles jaunes dans des cercles noirs. On les voit pas, ou alors il n'y a pas de cercle, je sais plus. Bref, c'est pareil, ces monstres-là sont dans la zone extra deck. Puis sont arrivés avec la dernière version Yu-Gi-Oh! Arc 5, donc les monstres Pendulum, pardon, je m'y perds un peu, c'est vrai que je suis pas à la page, qui sont également dans la zone d'extra deck. C'est des monstres qui ont un contour, si je dis pas de bêtises, jaune ou orange et vert, parce qu'ils sont considérés comme des cartes magie piège. Magie principalement, et peuvent être placés dans des nouvelles zones qui sont pas sur mon terrain,
qui sont les zones Pendulum, qui vont vous permettre notamment de faire des invocations un peu spéciales. Par exemple, si vous avez un monstre Pendulum qui a un niveau Pendulum 1 et l'autre un niveau 8, vous allez pouvoir faire invocation spéciale, donc des invocations avancées, de monstres dont le niveau est compris entre 2 et 7. Pour vous dire, hein, je suis vraiment pas à jour et j'ai un peu de mal. Donc voilà, au niveau des niveaux des monstres qui sont présents, je pense pas en avoir oublié. Sinon, vous me corrigerez dans les commentaires, hein, je pense, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a les cartes magie. Donc, magie, vous en avez vraiment plein. Hein. Vous avez les magies normales, où c'est juste écrit carte magie, vous n'avez pas de petite icône à côté. Vous avez les magies de terrain, qui vont avoir une petite icône comme celui-ci. Les cartes magie action rapide qui peuvent être jouées depuis votre main ou retournées pendant le tour de votre adversaire. Et les cartes de magie continue, donc qui ont un effet continu. Voilà, je pense qu'il y en a d'autres, hein. Il y a les cartes justement rituelles, pour les rituels. Et je crois pas qu'il y en ait d'autres, mais je vous dis, je suis vraiment pas à jour, donc bien vous me corrigerez. Et il y a les cartes pièges, bon voilà, j'en avais deux sous la main, il y a une carte piège normale et une carte piège continue. Donc c'est le même logo que pour les cartes magie. Donc oui, je l'ai pas dit, mais les cartes magie sont vertes et les cartes pièges sont roses. Voilà. Donc je vais revenir juste un petit coup sur les monstres au niveau de la carte. Donc vous allez avoir le nom d'inscrit au-dessus, l'élément. La terre, là, par exemple, le niveau, c'est important pour les Xyz et les synchros, du fait que les synchros, en fait, c'est l'addition du niveau du monstre que vous synchronisez avec celui du synthoniseur. Donc, par exemple, ici, si votre synthoniseur est de niveau 2, vous pouvez synthoniser avec un monstre de niveau 3. Voilà. Donc, ensuite, vous avez le type ici. Donc ici c'est un guerrier, vous avez un texte, hein, comme s'il y a sur pas mal de jeux de cartes. Et en dessous vous avez ici le numéro de série comme d'habitude. Et ici donc les points d'attaque et les points de défense de la créature. Donc pour les monstres à effet c'est la même chose, sauf que vous avez le texte de l'effet, plus s'il y a la place, un texte de carte également. Pour les monstres fusion, ils vous mettent là où par exemple sur le synchro vous avez un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur ou plus, vous allez avoir le nom des matériels à utiliser. Je sais pas moi, manipulateur de flammes plus je sais plus trop quoi, donne le chevalier flamboyant dans l'animé, je sais plus son nom dans le sur la de carte française. Donc vous avez donc il y a le coup ici qui est juste en dessous du type, vous avez l'effet et il n'y a pas de texte je crois en fait sur ces cartes là. Donc pour les Xyz c'est pareil, vous avez ils vous précisent quand même qu'il faut deux monstres de niveau 4, même si normalement dans les règles c'est inclus, mais ils vous le rappellent quand même qu'il vous faut deux monstres de level 4 pour une Xyz de rang 4 pardon. Et ensuite vous avez l'effet. Donc pareil, hein, comme je ne l'ai pas dit pour le synchro, mais attaque, défense, numéro de série, élément, nom, voilà. Et donc le rang, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour les cartes magie, donc vous avez l'effet de la carte magie ici. Elle peut être utilisée comme celle-ci une fois, et puis partir ensuite directement au cimetière. Les cartes terrain, c'est particulier, elles sont dans la zone terrain jusqu'à ce qu'il y ait un autre terrain en face. Quoique maintenant, d'après ce que j'ai compris dans les nouvelles règles, oui, chacun des joueurs peut avoir son terrain. La carte magie d'action, une fois qu'elle est utilisée, elle part au cimetière, et la carte magie continue reste jusqu'à ce qu'une carte la détruise. Pareil pour les pièges, une fois qu'elle est activée, ça part au cimetière, et les pièges continuent restent en jeu jusqu'à ce qu'ils sont détruits. Donc voilà, au niveau des cartes, je pense pas avoir oublié beaucoup d'éléments. De toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous me corrigerez dans les commentaires si j'ai oublié des trucs. Et donc on va passer au terrain.
Donc au niveau du terrain, tout à droite, vous avez la zone de deck qui est en bas et le cimetière qui est au-dessus. Donc la zone de deck, c'est là où vous posez votre deck. Le cimetière, c'est là où vous posez les magies pièges activées, détruites et les monstres détruits. Et ensuite, vous avez donc 5 zones... 1, 2, 3, 4, 5 zones monstres et 5 zones pièges. Voilà. Les cartes Pendulum doivent se mettre de chaque côté du terrain. Je ne sais pas exactement où, j'ai pas regardé, je vous avouerai. J'aurais dû préparer un petit peu mieux cette vidéo, mais je l'ai fait un peu sans filet, on va pas se mentir. Donc voilà. Et à gauche, donc vous avez la zone terrain qui est en haut. Donc où vous posez vos cartes magie terrain. Et en dessous, la zone d'extra deck où vous posez vos fusions, vos Xyz. Et vos synchros. Voilà, donc au niveau du terrain, c'est pas compliqué. En plus, c'est bien écrit dessus, vous n'avez pas de soucis pour ça. Donc on va ensuite passer donc à comment se déroule un tour. Donc voilà, donc on va passer donc à la phase habituelle de comment on se déroule un peu un tour. Donc ça, chaque joueur commence avec 8000 points de vie. 4000, je sais plus, ça doit être 4000 maintenant. À moins que ce soit toujours 8000, j'en ai aucune idée, je vous dis, ça fait bien longtemps que j'ai pas joué. Et puis il y a eu pas mal de changements de règles, je me suis quand même un minimum renseigné, mais pas plus que ça, je vous avouerai. Comme je vous l'ai dit. On commence, on pioche 5 cartes. Donc contrairement au avant-garde que je vous ai montré dans le numéro 1, vous n'avez pas le droit de redraw. Et en plus de ça, maintenant le joueur qui commence ne pioche plus, je crois, il y a une magouille, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Ou alors il pioche 6 cartes et il pioche pas derrière, mais il me semble qu'il pioche pas. Donc le joueur qui commence ne pioche pas, donc on va dire que je vais commencer, je peux donc placer des cartes magie et piège sur mon terrain, et également appeler un monstre, voilà. Donc par exemple je vais appeler le légionnaire de Chienne, sachant qu'il n'y a pas de, contrairement à Vanguard, vous n'avez pas un Vanguard et des rearguards, vous avez tout l'espace... à disposition, où vous les placez où vous voulez, sachant que vous pouvez attaquer n'importe où sur le terrain de l'adversaire en face. C'est pas le monstre qui est ici qui attaque en face, comme on verra sans doute dans un prochain numéro, dans un autre jeu, mais voilà. Donc en face, il va piocher, il va appeler un ou plusieurs monstres en fonction des effets, ou des... par exemple s'il a l'invocation Pendulum, comme je disais tout à l'heure. Et derrière, après sa main phase, donc la phase où il appelle les monstres, il a une attaque phase, donc il peut venir m'attaquer, et voilà. Donc sachant que si nos monstres ont la même attaque, on s'autodétruit. Si son monstre a une attaque inférieure à la mienne, mon monstre détruit le sien. Et si j'ai une attaque supérieure, s'il a une attaque supérieure, il détruit mon monstre. Et donc à chaque fois qu'un monstre a une attaque supérieure à un autre, détruit, vous prenez la différence en dommages. Donc si il m'attaque avec un monstre qui a 2000 d'attaque, moi je suis à 1600, je me prends 400 dommages. Mais si il m'attaque avec un monstre à 1200, pour une raison ou une autre, et que par hasard sa carte qui devait le booster ne fonctionne pas, je la déjoue avec une magie ou un piège, que son monstre reste du coup à 1200, il détruit son monstre et il se prend 400 points de dommage. Donc le premier qui a 0 point de vie plutôt, perd la partie. Donc voilà, on va dire qu'il invoque son monstre et qu'il peut un monstre en face cachée. Donc vous pouvez invoquer des monstres comme ça ou comme je vais vous montrer juste après. Donc je peux piocher maintenant. Et je peux donc appeler un autre monstre. J'aurais pu également, si j'avais voulu, invoquer un monstre dans cette position. Vous avez donc que deux façons d'invoquer un monstre. Soit de cette façon-là, donc de le poser directement comme ça, ou
nœud comme ça. Vous ne pouvez pas l'invoquer comme ça. Sauf cas particulier, si c'est une invocation spéciale. Donc dans les invocations spéciales, il y en a depuis la main, ou alors tout ce qui se fait à partir de la zone d'extradé. Donc par exemple, je sais pas, moi je vais appeler ce monstre-là, et je vais dire que je fais une invocation Xyz. Donc une invocation Xyz, c'est-à-dire que je vais prendre ces deux monstres, et je vais aller chercher un monstre de rang 4 dans mon... Et je peux le poser dessus. Bon, normalement, il y en a des meilleurs que ça, hein, je vais pas vous le cacher. Il y a notamment Kibo Wop, enfin... numéro 39 qui a un effet beaucoup plus intéressant que celui de ceci samouraï qui permet à chaque fois que je détache un matériel, donc quand vous détachez un matériel, c'est-à-dire que vous enlevez une carte en dessous, cette carte gagne je fais gagner un monstre 6 samouraï face recto, donc comme ça. Oui, son attaque devient 2000 en fait, tout simplement. Il faut que le monstre ait moins de 2000 et ça lui fait gagner jusqu'à ce qu'il ait 2000 d'attaque en fait. Du moment qu'il a 6 samouraïs dans son nom. Donc voilà. Donc il faut savoir que si ça avait été une invocation synchro, les monstres c'est pas matériels, donc comme là c'était ces deux monstres là, les monstres matériels. Ou fusion, les monstres seraient partis dans le cimetière. Ou, sauf précision du coup, sur la carte, banni, donc sur une zone qui n'est pas sur le terrain. Donc là, par exemple, je vais décider d'attaquer. Contrairement à certains jeux où on engage, comme Magic ou Vanguard, comme je vous avais montré dans le numéro 1. Ici, quand on dit qu'on attaque, on dit... par exemple, donc Shien, là, Ombre des Six Samouraïs, va attaquer tel monstre. Sachant que je suis à 2500 d'attaque, je peux aller détruire n'importe quel monstre en face qui a 2500 ou moins, sachant que l'intérêt, c'est d'attaquer forcément des monstres qui ont moins pour infliger des dommages à l'adversaire. Donc voilà, au niveau de l'invocation synchro, enfin Xyz, et voilà. Par exemple, là, il va décider de m'attaquer, et comme par hasard, il a un monstre de 3000, et il veut détruire mon monstre. Au moment où il veut détruire mon monstre, je peux activer une carte piège. Donc, par exemple, ici, je vais activer Levatine, relique nordique, qui me dit que lorsqu'un de mes monstres doit être détruit au combat, c'est l'autre monstre qui est détruit, c'est ça? Sélectionne un monstre qui a détruit un monstre au combat. Oui, c'est ça. Je sélectionne un monstre qui va détruire mon monstre et ça détruit le sien. Et en plus de ça, les effets ne peuvent pas être appliqués. Et du coup, ça protège mon monstre. Comme ça, vous avez plusieurs cartes qui vont permettre de faire ça. D'empêcher la destruction de votre monstre et détruire le monstre d'en face. Il y a celle-ci, il y a l'armure de Sakuretsu, mais qui peut être annulée contrairement à celle-ci. Voilà, il y a vraiment plein d'autres cartes. Donc ensuite, si je continue à jouer, hop là, je vais piocher une carte, par exemple celle-ci, qui me permet d'avoir à chaque fois que j'invoque un monstre 6 samouraï, de placer un compteur. Dès que j'en ai deux, je peux envoyer cette carte, enfin maximum 2, je peux envoyer cette carte au cimetière et piocher chaque nombre de cartes suffisant par rapport à au compteur que j'ai placé dessus. Donc les compteurs, soit vous les retenez, soit si vous n'avez pas une grande mémoire ou si vous avez vraiment beaucoup de cartes à compteur, comme c'est le cas de ce deck là notamment, vous pouvez utiliser des dés pour marquer vos différentes cartes. Ensuite, par exemple, je vais invoquer je vais d'abord poser cette carte là comme ça, voilà, et je vais invoquer ce monstre là normalement. Et ensuite, je peux également envoyer une carte, par exemple, au cimetière, pour lui donner qu'il soit à 2000. Sachant que lui, son effet, si j'ai un monstre 6 samouraï, il peut détruire n'importe quelle carte posée face comme ça, sans passer par les combats et quoi que ce soit. Chose que j'ai oubliée, les invocations normales peuvent se faire uniquement jusqu'au niveau 4. Si vous avez 5 ou 6 étoiles, il faut faire un sacrifice.
7 à partir de 7 étoiles, il faut faire 2 sacrifices, et il y a certaines cartes qui vont même demander 3 sacrifices pour faire ce qu'on appelle des invocations avancées. Vous avez les invocations normales comme celle-ci, les invocations spéciales comme par exemple le monstre là, et les invocations avancées où vous allez sacrifier un monstre pour en attaquer un autre par exemple. Voilà, et donc le premier qui tombe à 0 point de vie perd la partie. Je pense que c'est suffisamment. Je vois pas trop ce que je peux vous apprendre d'autre sur Yu-Gi-Oh! Au pire, il y a des gens qui doivent le faire beaucoup mieux que moi, qui sont beaucoup plus renseignés que moi et qui pourront vous aider un petit peu plus. Voilà, donc en espérant que cette vidéo vous ait plu et que on se retrouve donc pour une prochaine vidéo sur un prochain jeu. Ciao!